Ah si c'est beau là, mais attends. C'est exceptionnel. Bon, il y en a qui se font bronzer là déjà. Ouais. Vu du ciel, c'est exceptionnel hein, le lac. Hein. Exceptionnel. Ce qui reste d'un lac, un verrou glaciaire, un mini verrou glaciaire. Ouais. Donc je vais vers la crête des Mollards et le sommet du Grand Chat est juste devant. Un joli petit lac. Voilà, là je vais arriver sur le sommet du Grand Chat. Je traverse le névé et j'y suis. Ah ben je rejoins le GR. Le GR des crêtes des Mollards. Le cairn sommital. Les belles donnes, j'imagine. Les pâturages. Bientôt les moutons vont monter. En face c'est le Promollard. Ouais. Sous le rognier. Bon, je vais trouver mon déco là-dessous. Dans les schistes cristallins, ouais, ça brille. Ouais. D'ailleurs c'est là qu'on voit, on appelle la sidérite. Une bâtite sidérite. Là c'est pas trop mal. Ouais, je suis sous le vent. Allez, direction Froidefontaine. Là, je suis dans le col. Je vois le col du Grand Cucheron là sur la gauche. J'arrive au niveau du refuge de la Jasse. Direction Saint-Alban-des-Urtières. Je suis un peu plus à l'abri. Saint-Georges-des-Urtières avec ses mines de fer. Tout en finesse là, parce que c'est assez loin. Saint-Alban, je vise le clocher, la vallée de l'Arc, donc rive droite, massif de la Lozière, rive gauche, le massif des Urtières. Bon, Saint-Alban, c'est bon. Le lac, c'est encore un peu loin. Allez, virage sur les champs. Saint-Georges. Saint-Alban, des Urtières. Ouais, ça fait une belle balade. Ouais. L'église. Je vais arriver sur le lac. C'est superbe. Ouais, l'eau est bonne. Punaise. Je vais l'approche là-bas sur le parking. Au sol, il n'y a pas de vent, hein, pratiquement pas. Et sportif.